Bon, Madame Dombard, on est en direct là sur rue 89. Il y a beaucoup de monde là. Ben oui, forcément, ça va être extrêmement. Plus 307. Super positif, bravo Madame le maire. Mais ce n'est qu'un départ. Un départ pour pouvoir bosser pour Chilic, parce qu'il va falloir apaiser d'abord et ensuite réorienter tous les projets sans vouloir tout changer de fond en comble, aller à l'essentiel. En 2 ans, on aura peu de temps, mais ça suscite un nouvel espoir et j'ai une pensée particulière pour les agents de la mairie qui ont subi des tensions. Là aussi, je voudrais réorienter et apaiser. Et j'ai eu une pensée particulière pour le quartier des Écrivains, qui a massivement soutenu l'équipe de Christian Ball. Je ne les oublierai pas. Je serai la mère de toutes les Chilicoises et de tous les Chilicois. Merci beaucoup. Merci. Madame Bob. Ouais.
Grand bravo. Merci. un petit point rapide sur ce feuilleton chiliquois. Inédit, incroyable, on a tout donné. Comme a dit Daniel, c'est l'enthousiasme, la conviction, des valeurs claires partagées qui l'ont emporté ce soir pour écrire une nouvelle page de la ville. On est extrêmement motivés, on sait que la tâche est rude et que la route ne va pas être facile, mais ça vaut le coup pour notre ville, pour les Chiliquois et les Chiliquoises qui nous ont fait confiance. On est très très contents. Et on est contents d'écrire cette page ensemble. Première femme maire, en plus, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oh, beaucoup, beaucoup. De soutenir Daniel, d'amener une mère à être, d'une femme à être mère, c'est une grande victoire, c'est un changement fort dans les mentalités, dans l'expression, c'est une vraie page qui se tourne. Il y a moins de 10% de femmes qui sont mères en France aujourd'hui, moins de 6% pour les communes de 36 000 habitants, donc c'est une vraie victoire. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Ah ouais, c'est ça aussi, en si peu de temps. Un truc de fou.